Janice. Ah, Isabella. Quand es-tu rentrée? Je n'ai pas entendu le bus te déposer. Oncle Marcus a dit au chauffeur du bus de ne plus le déranger avec son klaxon. Mon Dieu. Marcus, c'est quoi le problème de ce portier? Mabus, va dans ta chambre et déshabille-toi, compris? D'accord, tantine. Puis tu reviens, je prépare ton déjeuner, ok? D'accord. Marcus. Je regardais ça. Tu regardes quoi? Alors que tu manges. De plus, c'est un film pour adultes, tu n'es pas censé le regarder. Je suis désolée, tantine. Tu cherches quoi à regarder alors que tu manges? Et ça me rappelle. Vous avez pris vos congés pour le trimestre, non? Oui, tantine. Et où est ton bulletin? Ou bien tu ne l'as pas reçu? Si, je l'ai reçu. Pourquoi ne me l'as-tu pas montré? Finis de manger et va me chercher tes résultats rapidement. Isabella, qu'est-ce que c'est que ça? 26e sur 26? C'est quoi ces notes pourries? Mon maître était censé écrire 2e et... Tu vas la fermer? Tu as même le culot de défendre ça. Comment peux-tu être 2e avec des notes aussi basses? Même avec la remarque de ton maître. Écoute, joue beaucoup, distraite et prête peu attention pendant les leçons. Qu'est-ce qui t'arrive, Isabella? Pourquoi tu changes? Ta maman sera très déçue de toi à cause de ces résultats. Va dans ta chambre. Et reviens ici. Viens prendre tes résultats. Tu les montreras à ta maman quand elle sera de retour. Prends-le. Cette fille... Isabella, tu ne veux pas dire à ta maman ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Isabella, va montrer ton bulletin à ta maman, sur le champ. Oh, c'est vrai. J'ai oublié que le trimestre se terminait aujourd'hui. Pourquoi ne m'as-tu pas montré ton bulletin? Attends, elle revient. Isabelle, pourquoi ne m'as-tu pas montré ton bulletin quand je suis rentrée? Maintenant, je comprends pourquoi tu n'as pas voulu le montrer. Tu as encore échoué. Je suis désolée, maman. Sois désolée pour toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as mal travaillé le trimestre passé et c'est même encore pire cette fois. C'est quoi ton problème? Ma sœur, lis les remarques de son maître. Ah, joue beaucoup. Est très distraite. T'es déjà envoyée à l'école pour t'amuser? À quoi servent tous ces jouets dans ta chambre? C'est pour que tu joues avec. Je ne t'ai pas envoyée à l'école pour jouer, mais pour apprendre. Je suis vraiment désolée, maman. Tu sais le pire dans tout ça? Elle dit que son maître a fait des erreurs dans ses notes. Qu'elle était censée être 2e. Que le maître a écrit 2e. Que c'est une erreur. Même un imbécile pourrait voir qu'elle
qu'elle mérite d'être 26e sur 26 avec... C'est ça notre pourri. C'est très décevant. Si c'était possible, tu serais même 42e sur 26. C'est quoi ça? Et tu es encore là à me regarder et à regarder la télé. Dégage-la. Dégage-la avant que tu n'ouvres les yeux. Dégage d'ici avant que je ne te fouette. Ah! Ceci est très humiliant, Eunice. Hein? Après toute la somme versée pour sa scolarité, quel était donc le but de l'inscrire dans une école aussi chère? Personnellement, c'est le moins que je puisse faire pour montrer ma reconnaissance. Je suis ravie d'entendre cela, Monsieur Joseph, mais j'ai un souci. Lequel? Vous savez bien. Les résultats scolaires de ma fille sont en train de se détériorer graduellement. Et c'est inquiétant. Que se passe-t-il? Vous savez que je vous ai appelé plusieurs fois au téléphone. Mais vous êtes trop occupé pour répondre. Je suis désolée. C'est juste que mon boulot est très prenant. Madame, voyez-vous, je vous ai appelé plusieurs fois pour me plaindre sur le comportement de votre fille en classe. Sachez qu'elle joue beaucoup et elle est très distraite. J'ai écrit cela dans son cahier d'exercice journalier. Je ne suis pas sûre d'avoir eu l'occasion de jeter un coup d'œil à ce cahier. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Elle vient à l'école sans faire du tout ses devoirs. Et je n'ai cessé de me plaindre à ce sujet. Mais elle n'est jamais venue me voir avec ses devoirs. Avez-vous pris la peine de demander? Avez-vous demandé? Écoutez, éduquer un enfant n'est pas de la seule responsabilité de l'enseignant. Les parents ont aussi un rôle à jouer. Je sais que j'ai échoué dans mon devoir en tant que parent, mais c'est la raison pour laquelle je vous ai appelé, pour trouver une solution. Ma sœur m'a suggéré de lui trouver un répétiteur à domicile. Oui. C'est ce que la plupart des parents font, vu qu'ils n'ont pas assez de temps pour suivre les enfants à la maison. Je crois que c'est une bonne chose de lui trouver un répétiteur, surtout dans ses vacances. D'accord, j'aimerais vous embaucher immédiatement. Je suis disposée à vous payer la somme que vous voudrez. Je suis navré, vraiment navré de vous décevoir. J'ai déjà été embauché par au moins 5 parents différents. Donc, je pense ne pas avoir de temps. Vous devez m'aider, Monsieur Joseph, je vous en prie. Aidez-moi. Eh bien, je vais vous aider. Oui, il y a ce Monsieur Gédéon, qui est aussi un enseignant à l'école primaire comme moi. Donc, je vais lui parler de votre requête. Et on verra, vous savez, s'il accepte. Croyez-moi, c'est un bon enseignant et je pense qu'il peut aider votre fille. Ah, oh, merci infiniment. Ça m'enlève un énorme poids du cœur. De grâce, contactez-le pour qu'il puisse commencer immédiatement. Sans problème, je le ferai. Bon, oh, pardonnez ma négligence. Que puis-je vous offrir? Maman, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu m'as déçue. C'est promis, je vais pas échouer au prochain trimestre, s'il te plaît. Ma chérie, tu es tout ce que j'ai dans ce monde. Je n'ai pas envie que tu sois une ratée. Ok, lève-toi. Merci, maman. Écoute, j'ai parlé à ton maître. On s'est arrangé pour qu'il te trouve un répétiteur. Eh bien, une personne qui t'aidera à, tu sais, t'améliorer et comprendre ce qu'on t'enseigne en classe. D'accord? Oui, maman, j'ai hâte de commencer. C'est bien. Va me chercher ta tante. D'accord, maman. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Marcus! Marcus! Oh,
que... Quoi? Tu es sorcière? Non, réponds-moi, tu es sorcière? On t'a envoyé du village? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Même le Seigneur qui m'a formé de la côte des anges, même si je n'ai pas vu, il ne m'écrit pas dessus comme ça. Tu es folle, n'importe quoi. Marcus, es-tu en train de m'écrire dessus? Moi? Ennis? Pourquoi pas? Je vais seulement continuer de crier sur toi. Tu n'es ni grâce, ni géante. Regarde-toi. Si je te frappe, tu vas tomber maintenant. Tu te prends même pour qui dans cette maison? Que se passe-t-il ici? Madame. Madame, vous savez que Paul et Silas ont chanté et dansé. Oh. Et le Saint-Esprit est descendu. La ferme. Eunice, que se passe-t-il? Grande sœur, tu peux t'imaginer cette nullité de portier? Hey! Je suis venue délivrer le message que tu m'as confié et il s'est mis à m'abreuver d'insultes, me traitant de tous les noms. Hey! Marcus, es-tu fatigué de travailler ici? Madame, vous ne posez pas la vraie question qui doit être posée ici en ce lieu. Vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit. Elle m'a traité de nullité. Elle n'a aucun respect pour moi et encore moins pour le Dieu Tout-Puissant qui a tout créé, le ciel, la terre, le monde et tous les hommes qui se trouvent sur cette terre. Je cherche le miracle depuis 10, 30 ans maintenant, 30 jours même. Moi aussi, je veux un miracle dans ma vie. Hein? Et ça permet de me parler n'importe comment. Grande sœur, ce portier n'a aucune once de respect pour moi. Mais où as-tu ramassé cet insecte? Vous entendez? Que ce soit la première et la dernière fois que j'entends que tu lui as manqué de respect. Me suis-je bien fait comprendre? Mais madame, comment est-ce que je lui manque de respect? C'est vous que je respecte, non? Madame, shalom, shalom, que la paix du Seigneur prenne le contrôle de cette maison. Maintenant, je veux que tu aies un magasin, que tu prennes le tableau, tu le nettoies et tu l'installes correctement. Le répétiteur de ma fille viendra ici aujourd'hui. Je veux qu'il s'installe là-bas pour faire les leçons. Tu m'as entendu? C'est entendu, madame. Je vous ai compris. Madame, contrôlez bien votre sœur. Elle est possédée par des démons. Hé! Madame, elle a besoin de délivrance. Marcus! Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crée aucun mal. Dieu combattra pour moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crée aucun mal. Dieu combattra pour moi. Cet homme est vraiment fou. Bonjour. Dis-moi, qui t'a invité? Je demande qui t'a invité pour que tu entres ici comme si c'était chez toi. Je vous demande pardon? Parce que quand je regardais dehors, je n'ai pas vu ta Venza. Et je n'ai non plus vu ta G-Wagon, comme celle du président. Et aussi, je n'ai pas vu ta Land Cruiser garée là dehors. C'est pour cela que tu as l'audace de venir te placer ici et de frapper ce portail à toute impunité? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Écoutez, je suis ici pour voir la propriétaire de cette maison. Voilà pourquoi les gens meurent comme les poulets. Moi, quoi? Et des vies sont gâchées. Tu as devant toi le propriétaire de cette maison. J'ai juste décidé de porter une culotte. Je suis le propriétaire de cette maison et tu cherches encore un autre propriétaire? Qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît, pouvez-vous juste aller informer la propriétaire? Je n'ai pas toute la journée, ok? Espèce de facochère, tu es vraiment stupide. Tu te places là, tu commences à ronronner. Je t'ai dit que je suis le propriétaire légitime. Tu sais combien un de ces poteaux coûte? Un seul de ces poteaux t'achète 10 fois. Je suis devant toi et tu me racontes des bêtises. Écoutez, tout d'abord, il s'agit d'une colonne et non un poteau. Et je On pense s'en qu'il fout. Faut juste que je passe un coup de fil pour me rassurer que je suis à la bonne adresse. C'est le numéro de ma femme que tu as dans ton téléphone portable. Et mon frère, je blaguais, oh. Hey, je blaguais, oh. Tu n'as jamais blagué, toi? Je blaguais. S'il vous plaît, pouvez-vous aller l'informer que je suis là avant que je ne perde patience? Ah, ok. Je vais te fouiller. Eh bien, je n'y trouve aucun inconvénient. Allez-y, faites votre travail. Je vous en prie, allez-y. Tiens, bon gars, c'est quoi ce genre de sac?
Jeune homme, faites votre travail. Qu'est-ce qui se trouve là-dedans? Pour l'éducation. L'éducation? Des enfants. Des enfants? Ne vous en faites pas. Je ne m'inquiète pas. Reste là, je vais l'informer. Hein? Pas de problème. Allez-y, hein? Et faites comme bon vous semble. Regarde, regarde, avec tes lunettes là, tes verres qu'on vend à 150 là, à la friperie du marché. Merci infiniment, monsieur... Monsieur Gédéon, madame. Gédéon. Oui, madame. Merci infiniment d'avoir accepté d'être le répétiteur de ma fille. Je suis certaine que monsieur Joseph vous a parlé de ses mauvais résultats le trimestre dernier. J'ai vraiment besoin d'aide pour elle. Oui, madame, je suis persuadé que d'ici le prochain trimestre, vous verrez une nette amélioration. Merci de tout cœur. Pour ce qui est de votre chèque, ne vous en faites pas, mais j'aimerais que vous commenciez immédiatement. Oh, bien sûr, je suis venu pleinement préparé. Je commencerai volontiers maintenant. Eunice. Grande sœur. S'il te plaît, va et vérifie que Marcus a bien tout préparé, comme je le lui ai demandé. D'accord. Merci. Eunice est ma petite sœur. Elle est actuellement en stage à Lagos, alors elle sera plus disponible que moi en ce qui concerne tout besoin que vous pourriez avoir. Oh, en plus elle est très jolie. Nous le sommes toutes. Oh oui, c'est vrai. Vous l'êtes toutes. Merci. Merci. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin que vous l'entraîniez bien. Formez-la très bien. Elle est tout ce que j'ai. Il n'y a pas de problème, madame. C'est la raison de ma présence. Grande sœur, prête à partir? Oui, pour Baelsa, encore. Encore ce travail. Je suis terriblement stressée. Je pense qu'il est temps que je démissionne. Je comprends. Donc, quand est-ce que tu rentres? Ce week-end. De grâce, prends bien soin de ma fille. Je le ferai, t'inquiète. Eunice, tu ne sais pas à quel point je remercie le ciel de t'avoir envoyé les gosses pour ton service. Si tu n'étais pas là, il aurait fallu que j'emmène Isabella chez mon amie et que je l'y laisse jusqu'à mon retour. Merci. Grande sœur, je suis uniquement ici pour toi et Isabella. De plus, je ne sors pas de la maison en semaine, en dehors du jeudi qui est mon jour de travail. Après ça, je serai de retour pour rester avec Isabella et son répétiteur. Oh, j'allais oublier le nouvel enseignant, s'il te plaît. Il faut veiller sur eux, d'accord? Et assure-toi qu'Isabelle ne lui donne pas de mots de tête, car je la connais. J'ai presque terminé la cuisine. Laisse-moi juste emballer un paquet pour... Ah, non. J'achèterai un truc en route. Je dois vraiment me dépêcher. D'accord, je vais t'aider. Pourquoi est-ce que Marcus n'est pas venu la prendre? Alors, la leçon d'aujourd'hui porte sur les nombres et la puissance des nombres. Qu'est-ce que j'ai dit? Les nombres et la puissance des nombres. Bien. Alors, qu'est-ce que j'entends par nombre et puissance des nombres? Supposons que j'écris 2. Que représente 2? Les nombres et la puissance des nombres. Bien. Maintenant, supposons que je mets un autre 2 légèrement au-dessus du premier. Alors, ça veut dire que 2 est égal à 2 multiplié par 2, ce qui nous donne 4. Maintenant, si je prends 2 à la puissance 3, ce qui veut dire 2 multiplié par 2 multiplié par un autre 2, ce qui nous donne... Mais que fais-tu? Est-ce que tu suis la leçon? Rien. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien?
Est-ce que tu te souviens que tu as lamentablement échoué le trimestre dernier? Est-ce que tu sais que si tu ne travailles pas bien ce trimestre, tu ne seras pas promu en classe supérieure? En fait, tu seras renvoyé. Est-ce que tu veux être renvoyé? Non, tonton. Peut-être que tu veux que j'utilise le fouet avec toi. Est-ce que tu veux que j'utilise le fouet? Non, tonton. Alors, je veux que tu te concentres. Parce qu'il est très important que tu sois concentré. Salut. Salut. Je vois que tu travailles vraiment bien. Je constate des progrès. Oh, je ne vais pas occuper tout ton temps. Je voulais juste te donner ceci. C'est pas grand-chose. Waouh. Merci. De rien. Ah, Isabella, reste concentrée. Eh bien, je dois recommencer à zéro. Tu as fini avec tes devoirs, Isabella? Non, tontine. Non? Ah, ah. Et tu n'as rien écrit, pourquoi? Je trouve ça très difficile. Qu'est-ce qui est si difficile? Tu n'écoutais pas quand ce monsieur t'enseignait? J'ai écouté, mais... Mais quoi, Isabella? Si tu écoutais, tu aurais dû déjà résoudre ces simples opérations. Ok, écoute bien maintenant, d'accord? Donc, ça c'est quel signe? Plus petit. Quel est ce signe? Plus grand. Tu es sûre c'est le plus grand? Mmh. Ok. Désolée du dérangement, monsieur. Ce n'est pas si grave. Bonjour. Bonjour, monsieur Gédéon. En fait, j'ai remarqué quelque chose chez Isabella et j'ai jugé bon de vous en informer. Ok. J'ai remarqué qu'Isabella est incapable de faire la plupart de ses devoirs. En fait, ce que vous lui avez donné hier, j'ai dû lui expliquer pour qu'elle ait une idée de ce dont il était question. Donc, je suis d'avis que peut-être vous devriez changer votre façon de l'enseigner. Afin qu'elle puisse mieux comprendre. Vous voyez? Essayez d'être un peu plus amical avec elle. Ah, c'est juste une suggestion. Non. Aucun souci, vous avez raison. En fait, j'ai été très dur avec elle, ou disons même très sévère. Mais cela cessera... À partir de maintenant, et je vais essayer votre méthode. Merci infiniment. De rien. J'essaie juste de vous faciliter la tâche et elle doit apprendre très vite. C'est bien, je vous laisse travailler maintenant. D'accord, merci. C'est très bien. Tu t'es très bien comportée. Hein? Continue à être une bonne fille, ok? Eh bien, la leçon d'aujourd'hui, c'est comment prendre soin de notre corps. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment prendre soin de notre corps. Bien. Alors, l'une des façons de prendre soin de notre corps, c'est de nous laver régulièrement. Et aussi de se laver les mains après être allé aux toilettes ou en sortant de l'extérieur. Bien. Et aussi, nous devons nous rassurer que nos dessous sont bien propres et bien lavés. Tonton, c'est quoi les dessous? Oui, les dessous sont ces minuscules vêtements que nous mettons avant de nous habiller pour sortir. Ce sont des vêtements comme des slips,
des soutiens-gorge, des caleçons, des débardeurs et bien d'autres choses de ce genre. Je suis sûr que tu ne mets pas encore de soutien-gorge. Non, tonton. Mais tu portes un slip? Oui, tonton. C'est slip que tu portes. Qui les lave pour toi? Ma tantine et ma maman et parfois moi-même. Et celui que tu portes en ce moment, c'est toi-même qui l'as lavé? Oui, tonton. Eh bien, je pense que je dois l'examiner pour voir s'il est bien propre. D'accord. Eh bien, je constate que tu as mis un slip de couleur rouge. Et je dois examiner en profondeur pour voir s'il est vraiment propre. Non, tonton, ne me touche pas ici. Très bien, alors continuons. Donc, comme je l'ai dit, se doucher, se laver les mains, alors, chérie, je te rappelle après, d'accord? Pardon, laisse-moi, je te rappelle après, d'accord? Isabella, qu'est-ce que ça veut dire? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas m'interrompre quand je suis au téléphone? C'est un manque de respect. Je suis désolée, tontine. Bon, dis-moi, c'est quoi le problème? Je n'aime pas mon répétiteur. Tu n'aimes pas ton répétiteur? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne l'aime pas, je veux un autre. Pourquoi devrais-tu l'aimer? Tu ne l'aimes pas juste parce qu'il te fouette et te corrige quand tu fais quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, tontine. Isabella, il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles tu n'aimes pas ton répétiteur juste parce qu'il te fouette et te corrige quand tu fais toujours ce qui est mal. Tu veux quelqu'un qui est doux, n'est-ce pas? Écoute, Isabella, ta mère sera de retour ce week-end et elle veut voir des progrès, surtout dans tes études. Donc, tu ne devrais pas la décevoir. Donc, reste tranquille, Isabella. Me suis-je fait comprendre? Oui, tantine. Tu m'as très bien entendue? Oui, tantine. Maintenant, va te laver, j'apprête ton repas. Hey, Seigneur Jésus! Monsieur? Monsieur, viens. Viens. Monsieur, je croyais que tu as dit que tu étais enseignant. Combien de temps te faudra-t-il pour apprendre à toquer au portail comme tu enseignes les petits-enfants? Tu te crois supérieur. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Es-tu un braqueur? C'est quelle façon de toquer la porte de ça? La prochaine fois que tu feras ça, je vais prendre ma grosse Kalachnikov pour te chasser très loin d'ici. C'est quoi ces bêtises? Ne t'en fais pas un jour, très bientôt. Une personne mature toque comme ça. Toc, toc. Voilà! Le facochet est bien, il frappe. Go, 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 go. Es-tu un voleur? Braqueur! Isabella. 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 Où est cette fille? Elle est où? Isabella, qu'est-ce que ça signifie? Donc tu es cachée ici, je t'appelle, tu ne réponds pas? Tu veux que je te donne une fessée? Non, tantine. Alors sors, tonton t'attend dehors pour les cours. Je ne veux pas étudier aujourd'hui. Quand tu pars, tu ne veux pas étudier aujourd'hui. Je n'aime pas cet homme. Isabella, je ne vais pas me répéter. Sors de là. Va chercher ton cahier. Très vite.
Regarde-toi, petite paresseuse. Dépêche-toi. Tonton, s'il te plaît, je suis vraiment désolée, s'il te plaît. J'enseigne et tu es là à faire des bêtises. Des choses qui ne sont pas importantes. Des choses inutiles. Mais qu'est-ce que tu fais? Agenouille-toi bien. S'il te plaît, je suis désolée. Mais de quoi es-tu désolée? Tu penses que ta mère me paye pour que je vienne blaguer avec toi? Aujourd'hui... Désolée. Tu t'enfuis, hein? Alors la punition a triplé. Petite fille, tu pleures? Qui t'a tapé? Il y a quoi? Hein? C'est à toi que je parle, non? Qui t'a tapé? Peut-être que tu as faim. Il n'y a pas de nourriture dans cette maison. Pourquoi tu manges? Et celle-là, l'autre là, qu'on appelle uniforme, elle sait seulement se balader partout. Elle ne te donne pas la nourriture. Maintenant, la famine veut te tuer. En tout cas, regarde, prends cette cola. La petite cola qui reste dans ma poche. Prends. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que je prends pour calmer ma faim. Je mange celle-ci et je te donne celle-là. Je reste avec une. Prends. Prends celle-ci. Prends la petite cola avant que... Hey! Sacrilège! Tu es très, 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 très vilaine. Tu sais à combien on va les colas? Tu sais combien ça coûte? On te donne quelque chose, tu joues. Je ne suis pas ton père. Qu'est-ce qui se passe ici? Que signifie cette question? Hein? Tu me demandes pourquoi elle pleure. Est-ce qu'elle n'a pas sa bouche? Demande-lui. Isabella, pourquoi tu pleures? N'importe quoi. Je retourne Sinon, à mon pourquoi poste. Pourquoi tu pleures? Je veux voir ma maman. Ma puce. Ta maman sera de retour dans 2 jours. Quand elle viendra, tu la verras, d'accord? Je veux voir ma maman maintenant. Et ta mère n'est même pas dans la ville. Tu sais quoi? Ne pleure plus, d'accord? Quand ta mère va rentrer, tu la verras. Elle sera bientôt là. Bon, je vais te chercher une glace, ok? Lève-toi, s'il te plaît. Viens là. Ça va aller. D'accord? Mon Dieu, sauve-moi de ceci. Fais en sorte que Tantine, Onis, se rende compte de ce que ce tonton est en train de me faire. Sauve-moi de ce tonton. Je t'en supplie, mon Dieu. Ramène ma maman saine et sauve d'où elle est en ce moment. Pour que je lui dise tout ce qui se passe. Pardon, Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est le prophète Zacharie qui a annoncé Jésus. C'est lui qui a annoncé Jésus. Le prophète est venu dire que Marie allait encore accoucher. Elle a accouché. Tu vois là où c'est écrit? Il est dit. Et les jours suivants, viendra le roi de Judée. Le livre de Zacharie. Zacharie est un livre de la Bible. Tu fuiras partout, c'est aussi un prophète. Hey. Bonsoir, tonton. Monsieur, qui t'a ouvert? Donc, parce que j'ai laissé le portail ouvert, c'est la raison pour laquelle tu as profité de ça et tu t'es arrangé à entrer ici sans toutefois frapper. Qu'est-ce que cela signifie? Es-tu un voleur? C'est quoi ça? Je te parle de cette affaire tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne sais pas comment toquer? Isabelle, qu'est-ce que tu fous avec ce répugnant illettré de première classe? Tu vois?
J'étais en train de lire avec lui. Je veux que ce soit la première et la dernière fois que tu lis ou fais quoi que ce soit avec cet imbécile. Maintenant, va te préparer pour la leçon du jour. Tonton, j'ai très mal au ventre. Je t'ai dit de t'élever et d'aller te préparer pour la leçon. Oh, arrête ça! Monsieur, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. C'est encore un enfant. Est-ce que tu me comprends? Donc ne prends pas ta barbe broussailleuse là et ton air menaçant pour venir ici menacer une petite fille. Tu es malade? L'affaire. Tu la grondes pourquoi? Maintenant, écoute-moi bien. Que ce soit la première et la dernière fois que je te surprends à essayer de distraire cette jeune fille. Regarde-moi ce... Tu n'es rien d'autre qu'un mouton. Tu n'es qu'un gros imbécile avec une grosse tête vide. Ta grosse tête là est vraiment vide. Peux-tu m'expliquer ce que toi tu appelles distraire? Es-tu un démon? Tu ne m'as pas vu lui enseigner la Sainte Bible, lui enseigner le Saint-Esprit et comment Jésus-Christ est né? Et tu viens ici dire que je la distrais, hein? Es-tu allé en enfer? Es-tu un démon? C'est tout ce que tu trouves à dire avec ta bouche qui est tordue là. J'espère que je me suis bien fait comprendre. En quoi? On t'a dit qu'ici c'est chez les moutons? Il n'a même pas de voiture, regarde-moi ce gars, n'importe quoi. Alors je... Il vient chaque jour et elle s'en sort plutôt bien. Oui, bien sûr. Quand reviens-tu? Oh, ok. D'accord. Ok, grande sœur. Bye. Isabella, c'est quoi le problème? Je te croyais endormie à cette heure. Tu as un problème? Je vais te kidnapper. Et tu ne pourras plus jamais revoir ta mère. Et avant même qu'elle ne puisse te retrouver, tu seras déjà morte. Non. T'en es sûre? Bonne nuit, tantine. Ah, Isabelle, attends. Ta mère vient juste d'appeler. Elle dit qu'elle sera de retour demain. J'ai hâte de la voir, tantine. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci, Marcus. De rien. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Bienvenue, maman. Merci, ma puce. Comment était le voyage? C'était très bien. Merci. Bienvenue. D'accord, je te verrai madame, plus tard. Madame, la famine allait me tuer. Oh, Marcus, s'il te plaît, va-t'en. Alors, et ton répétiteur? Dans la cour arrière. Oh, ok. Je vais d'abord aller me doucher et... je reviendrai le voir après. J'ai eu un long voyage. Isabella, où est-ce que tu vas? Ton oncle est toujours sur la cour, il t'attend. Les leçons ne sont pas finies. Hop, allez. Je ne veux pas y aller. Je veux rester avec ma maman. Chérie, s'il te plaît, je le paye extrêmement cher pour ces leçons. S'il te plaît, vas-y. Quand tes leçons seront terminées, tu viendras et on pourra jouer, d'accord? D'accord, maman. Bienvenue encore, je vais à la cuisine. Alors, comment ça s'est passé? Maman, je n'ai pas apprécié ton absence et beaucoup de choses m'arrivent en ce moment. Comment ça? Mais ta tante Eunice m'a dit que tout allait bien avec toi. Maman, je n'aime pas mon répétiteur. Mais ta tante Eunice m'a parlé de lui en de bons termes au téléphone, alors pourquoi ne l'aimes-tu pas? Maman, il me fait des choses pas bien. Quelles choses? Qu'est-ce qu'il te fait? Parle-moi. Je vais te kidnapper. Je n'aime pas la façon dont il me touche et me regarde. Marcus? 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 C'est quoi? Monsieur, c'est quoi le problème? Quoi? Hein? On t'a dit que c'est comme ça que les gens m'appellent? Hein? Marcus? Est-ce que tu peux... Mon nom, c'est Marcus!
Veux-tu ouvrir ce portail sur le champ? Tu veux ouvrir ce portail sur le champ? Écoute, je te l'ai déjà dit. Vérifie si les gens de ta famille ne souffrent pas d'épilepsie. Parce que je te regarde, tu t'agis trop. Tu es qui? Tu es très stupide. Tu n'es vraiment qu'un pauvre petit fou. Et un très très gros analphabète. Mon ami, tu vas offrir ce portail sur le champ? C'est à moi que tu parles comme ça? Donc comme ça, tu oses me dire que je suis stupide. Ensuite, tu ajoutes en disant que je suis un fou. Et l'autre que tu as dit après la nullité. Si je reste ici une minute de plus, tu vas te retrouver sans emploi. Laisse ton baratin. C'est toi qui m'as recruté ici. Tu as la chance que je respecte, madame. Est-ce que tu m'entends? Si j'ouvre ce portail, tu vas dégager. Est-ce que tu m'entends? Tu partiras. Stupide, tu vas partir. N'importe quoi. Tu crois que je n'ai pas fait l'école? Tu sais, je pense que tu as besoin d'une leçon. Mais certainement pas de moi. Pas de moi, non. Tu es en train de parler de quoi? Est-ce que tu connais le genre de caleçon que moi je porte? Tu viens me dire que j'ai besoin de caleçon? Tu es vraiment bête, espèce de sorcier. Je porte des caleçons chinois, importés, pas locaux, encore moins la friperie. N'importe quoi. Tu ouvres la large bouche et dis que je veux les caleçons. Tu crois que ce domicile est comme chez les autres? Ce portail fait 30 minutes à la charge. Avant de s'ouvrir, comme on parle là, ce portail est en train de t'enregistrer et m'enregistre. Crois-moi, je ne mens pas. Je le chargeais d'abord. Je t'ai dit qu'ici, ce n'est vraiment pas comme chez les autres. Tu es là à te pavaner, avec ton ventre plat comme un lézard. Écoute, je crois que tu ne connais même pas ton boulot. Tu n'arrives même pas à trouver la clé qui ouvre la serrure. Hein, tu n'es qu'un incompétent. Un facochère idiot. Tu comprends? Le portail, ça ne cogne pas comme tu le fais, mais plutôt... Gougoum, gougoum. Tu ne connais vraiment rien. Vraiment bête, ignorant. Je connais la clé. Qui ouvre, reste là et tu verras. Tu as de la chance, tu as de la chance. Ça s'est ouvert. Juste, va-t'en d'ici. Espèce de bandit. Voleur! Ces gens ne cesseront jamais de m'étonner. Ah. Isabelle, que se passe-t-il? Ma sœur, tu fais bien de demander. Oh. Tu peux t'imaginer, chaque fois que je lave Isabella, elle gémit de douleur, surtout quand je touche son entrejambe. Ah. Son entrejambe? Oui. Isabelle, qu'est-ce que tu as? Je n'en sais rien. Tu ne sais pas. Isabelle, tu te touches souvent là-bas? Non, maman. La seule raison pour laquelle tu sens mal à ton entrejambe, c'est parce que tu te touches souvent là-bas. Et maintenant, tu t'es blessée. Maintenant, écoute-moi bien. Tu ne dois plus jamais te toucher là-bas. Les filles bien ne font pas de telles choses. Tu as compris? Oui, maman. Va dans ta chambre. Mon Dieu, ma mère m'a abandonnée, ma tantine aussi. Mes pères, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, car je crois en toi. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas que quelque chose de mal n'arrive ni à moi ni à ma maman. Père Tout-Puissant, que ces tortures et ces cauchemars cessent. Permets qu'ils s'arrêtent. Mon Dieu, ouvre les yeux de ma maman pour qu'elle voie que cet homme est mauvais. Mon Dieu, bénis ma mère, bénis ses affaires, guide et protège mes amis. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maman? Maman? Isa? Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Comment tu vas? Je vais bien. Je vois que tu es prête à aller au boulot. Oui. J'ai une AGM aujourd'hui. C'est quoi une AGM? C'est une réunion générale annuelle. Et je suis en retard parce que je ne me suis pas levée à temps. Maman, et ce dont nous avons parlé l'autre jour? Ce dont on a parlé, s'il te plaît, rappelle-moi, je ne m'en souviens pas. Concernant ma demande d'avoir un autre répétiteur. Ça. Isa, Eunice m'a dit que tu n'aimais pas M. Gédéon parce qu'il utilise le fouet sur toi. Ce n'est pas à cause du fouet.
D'accord, alors je lui demanderai d'arrêter de te crier dessus, c'est ça le problème. Maman, tu ne me comprends pas. Écoute Isabelle, on ne va pas changer Monsieur Gédéon. Il n'est pas facile de trouver un enseignant aussi intelligent que lui, hein? S'il te plaît, je sais que tu es très déçue, mais je voudrais que pour moi, juste, supporte-le, d'accord? Hein? Je suis en retard. Et sois sage. Madame, avant que je n'ouvre le portail, il y a un problème. C'est un problème très 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 grave. Marcus, j'espère que ça n'a rien à voir avec une augmentation de salaire. Parce que je viens juste d'augmenter ton salaire. Madame, ce n'est pas l'augmentation de salaire. Même si sans mentir, il n'y a aucun problème. Madame, c'est parce que vous êtes pressé. Et je n'ai pas le temps pour vous expliquer ce problème dans sa totalité. Marcus, s'il te plaît, ne perds pas mon temps. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, je vais vraiment être très bref. Madame, il y a quelqu'un qui prend votre gloire. Cet homme qui vient ici, qui vient enseigner votre petite fille. Cet homme n'enseigne que des bêtises. Il vient ici, il me parle n'importe comment, sans respect. Chaque fois qu'il vient ici, il crie Marcus, Marcus, Marcus. Il s'agite comme quelqu'un qui souffre d'épilepsie. Et s'il s'agit, il s'agitait seulement comme ça, pas de problème. Et il vient ici tout le temps, il me parle n'importe comment et il frappe ce portail sans aucun respect, avec aucune impunité. Marcus, c'est quoi ton travail dans cette maison? Madame, c'est ouvrir et fermer le portail, surveiller partout, sauter sur la clôture, entrer et sortir, tout ça. Maintenant, j'aimerais que tu me fasses une immense faveur. Fais uniquement ton travail, occupe-toi de tes oignons et laisse Monsieur Gédéon tranquille. Hey! Si jamais il arrive qu'il vienne se plaindre de toi chez moi, tu perdras ton travail. Hey. Est-ce que j'ai été assez clair? Madame, pas besoin de perdre mon boulot. Madame, shalom, que la paix du Seigneur règne. Dans cette maison et partout. Madame, je ne me plaindrai plus jamais. Ouvre-moi le portail. Je ne me plaindrai plus jamais. La paix du Seigneur. J'ouvre le portail. Avale-le. Ok, c'est bien. Bois-en encore. Très bien, chérie. Ça va aller. Elle ne se sent pas mieux? Ah, je lui ai donné des médicaments. Et si la fièvre persiste, eh bien, je vais devoir l'emmener à l'hôpital demain. Ok, dans ce cas, tu dois contacter Monsieur Gédéon pour qu'il soit... aussi informé. J'ai déjà essayé de l'appeler, mais son numéro ne passe pas. Tu devras lui dire quand il viendra aujourd'hui. D'accord. Maman? Oui, chérie? S'il te plaît, peux-tu rester avec moi aujourd'hui? S'il te plaît. Ma puce, tu sais que j'aimerais bien. Mais maman doit travailler. S'il te plaît, essaye de comprendre. Tu t'es maquillée? Tu sors? Oui, mais je ne resterai pas longtemps. D'accord. S'il te plaît, assure-toi d'informer M. Gédéon quand il viendra pour qu'elle se repose. D'accord. Ok, je le ferai. D'accord. Maman doit y aller. Repose-toi bien, d'accord? Hmm? Ça va aller. Je serai avec toi le soir. Se passe ici. Désolée. Il n'y a aucun problème. Bonsoir. Bonjour, Monsieur Gédéon. Veuillez accepter mes excuses pour tout ceci. Pas de problème. Vous êtes là pour Isabella. Oui, elle est là? Oui, elle est à l'intérieur, elle est couchée. En fait, elle ne se sent pas très bien. Oh, vraiment? Oui. Oh, je suis vraiment désolée pour elle. Ok, ça va aller. Est-ce que je peux la voir? Bien sûr, elle est à l'intérieur, vous pouvez aller la voir. Ok. Est-ce que je peux aller à l'intérieur pour la voir? Oui, vous pouvez. Oh, j'étais en train de sortir, acheter un truc, mais... Oh, c'est pas grave, allons-y. Ok, c'est gentil. Veuillez m'excuser. Oh non, y a pas de problème. Thank you.
Es-tu en train de sortir? J'entre chez toi. Mon ami, ouvre-moi le portail. Écoute, je n'aime mon pas... Mon ami, ouvre-moi ce portail. Je n'aime pas n'importe quoi. Un jour. Au secours! Eh bien, Madame Joyce, après ce que vous venez de me dire, je pense que votre fille ne veut plus de moi comme répétiteur et je pense que vous devez me laisser partir. Je vous en prie, Monsieur Gédéon, je ne voudrais pas qu'on se comprenne mal. Personne ne dit que vous devriez partir. Peut-être qu'elle n'aime pas la façon dont vous la grondez, c'est tout. Elle est rarement attentive lorsque je l'enseigne. Et vous savez, il est difficile de répéter un tel enfant. Je vous comprends. Et je suis très reconnaissante pour votre aide jusqu'ici. J'ai remarqué de très grands progrès dans son travail. C'est juste que... Je suis juste un peu ennuyée par... La façon dont elle se plaint de vous. Et cela veut dire qu'elle... n'est pas à l'aise avec ma méthode, donc... Je pense que vous devez me laisser partir. Je ne pense pas que partir soit la meilleure solution en ce moment. Peut-être que vous pourriez être un peu plus amical avec elle. Eh bien, Madame Joyce, je vais essayer une dernière fois. Mais si elle continue de se plaindre, vous devrez lui chercher un autre répétiteur. Dont elle ne se plaindra plus, j'espère, parce que c'est ainsi que sont les enfants. Je sais comment sont les enfants. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas qu'on parle de démission. Tant que vous ferez de votre mieux avec elle, ça ira. Hein? Si vous continuez à faire de votre mieux, il n'y aura aucune raison de démissionner. Là, c'est un ordre. Je vais vous chercher quelque chose à boire. Oh, merci, madame. Je me souviens quand j'étais un soldat. Je me souviens quand j'étais un soldat. Oh. Je me souviens quand j'étais un soldat. Oh. Je me souviens quand j'étais un soldat. Hi. Eh oui, je me souviens. Ma fille. C'est quoi? Bonsoir, tonton. Je suis venue te parler. Tu es venue me voir. Petite madame m'appelle? Non, c'est moi qui veux te parler. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, tu connais l'homme qui vient m'enseigner? Qui ça? Cet idiot? Aïe! Dieu seul sait comment gérer ce type avec passion. Si j'étais Dieu, j'allais le foudroyer. Le détruire. Complètement. S'il te plaît, ne le détruis pas. Je veux juste que tu m'aides. S'il te plaît, peux-tu rester dans les parages quand il m'enseigne? Tu sais... J'ai parlé à ta maman de cela. Comme tu vois, ta face est encore très jeune, la mienne est déjà vieille. J'ai parlé à ta maman à propos de ce gars. Elle a dit que je dois rester concentré sur le portail, sur le travail que je suis venu faire. Et je ne veux pas perdre mon travail. S'il te plaît, hey. Tu dois juste regarder. J'en ai déjà parlé à ma maman. Mais ne m'écoute pas, sa sœur, la stagiaire. Ne prête pas attention à eux. Hey. S'il te plaît, ne me déçois pas. Heya. Je ne sais pas. J'ai peur de faire ça. Et si je n'écoute pas ce que madame a dit, elle va me chasser d'ici. S'il te plaît, tu dois m'aider. Pardon, n'écoute pas ce que ma mère dit. Hey,
Si je n'écoute pas ce que madame a dit et que je t'écoute, je suis désolé, je ne peux pas t'aider. J'aime encore mon travail, je ne veux pas perdre mon boulot. Hein? Hey! J'ai bien dit. Dieu seul sait ce que ce gars fait à cette fille pour qu'elle puisse chercher de l'aide comme ça. Un enseignant qui est toujours en train de s'agiter. Tout le temps, il s'agite. Comme s'il avait l'épilepsie. C'est mauvais. Vraiment très mauvais. Regardez une petite fille, très très belle comme ça. Si je la surveille, moi, on va me renvoyer. Marcos, concentre-toi, sois concentré. Ne perds pas ton boulot. Je me souviens quand j'étais un soldat. Isabella, je pense t'avoir dit que ta nourriture était prête. Pourquoi tu ne manges pas? Ça se refroidit. Je n'ai pas faim. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ne m'as-tu pas dit avant que je te serve? Je suis désolée. Tu es désolée? C'est tout ce que tu trouves à me dire? Que se passe-t-il? C'est Isabella. Je lui ai servi son repas et ne l'a pas mangé. Maintenant, ça s'est refroidi. Ah, peut-être qu'elle n'a pas faim. Chérie, pourquoi ne manges-tu pas? C'est l'heure de ton petit déjeuner. Je n'ai pas faim. Tu vois, elle n'a pas faim. Alors, donne-lui à manger quand elle aura faim. Je dois y aller maintenant. À ce soir. J'en ai marre de cette vie. Tu es fatiguée de cette vie? Une vie que tu n'as même pas encore commencé. Oh mon Dieu, Isabella. Isabella. Grande sœur, c'est Isabella. Je l'ai surprise dans la cuisine, en train de vouloir se donner la mort avec un couteau. Dieu l'en préserve. Isabelle, pourquoi? Laisse-moi tranquille, je ne veux pas te parler. Laisse-moi tranquille. Tu as essayé de te suicider. Et tu me dis que je devrais te laisser tranquille? Isabelle, tu veux te suicider et me laisser? Ton père m'a laissé. Et maintenant, toi aussi, tu veux me laisser? Tu me détestes à ce point? Je suis vraiment très déçue de toi, Isa. Ah.
Bonjour, madame. Oh, bonjour, monsieur Gédéon. Comment allez-vous? Je vais bien. Elle est là, n'est-ce pas? Vous êtes là pour les leçons? Bien sûr que oui. Désolée, j'ai oublié de vous prévenir. J'aurais dû appeler. Isabelle ne sera pas disponible pour les cours aujourd'hui. Mais pourquoi? Aujourd'hui, nous avons une de nos leçons importantes. Ceci est embêtant. Elle a fait une tentative de suicide hier. Quoi? Je ne sais pas. Je n'arrive toujours pas à y croire moi-même. Oh mon Dieu! Où est-elle maintenant? Est-elle dans sa chambre? Elle se repose. Juste, laissez-la se reposer. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'elle ait cours aujourd'hui. Oh. Alors, laissez-moi vous déposer quelque part. Je suis vraiment désolée pour les dérangements. Non, ce n'est pas grave. J'ai oublié de ce vous prévenir. Ce n'est pas grave du tout. Je suis désolée. D'accord. Donc, je ne peux pas la voir? Non, c'est une mauvaise idée, s'il vous plaît. Je vais vous déposer, d'accord? D'accord. Je suis désolée. Pas de problème. Madame, vous sortez? Évidemment. Madame, que j'ouvre le portail? Marcus, ne me fais pas perdre patience. Ok. Je travaille dans cette maison depuis des siècles et jamais ne m'a porté dans cette voiture. Mais ce Pekenop, qui vient juste d'arriver, on le porte déjà dans la voiture. Dans peu de temps, il va se prendre pour le maître de cette maison et il va conduire cette voiture. Un idiot tout fait. Un idiot dans son ADN. Il ne sait rien faire du tout. Alors, après avoir appris la reproduction, est-ce que tu peux me donner un exemple d'organe reproducteur? Je ne connais pas, monsieur. Voyons, ne sois pas bête. Tu veux dire que tu ne connais pas un exemple d'organe reproducteur? Je ne connais vraiment pas. Pas de problème. Je pense que tu veux que je te montre un exemple. Est-ce que tu veux voir un exemple d'organe reproducteur? Tu es sûr que tu veux le voir? Ok. Maintenant que tu as vu un exemple d'organe reproducteur, pourquoi ne me montres-tu pas l'organe reproducteur femelle, celui que tu as? Sachant bien que l'organe reproducteur femelle, eh bien, c'est celui qui est capable de procréer. Donc, je veux que tu me montres ton organe reproducteur. Tonton, s'il te plaît, ne commence pas. Que je ne commence pas quoi? Tu ne veux pas me montrer... De toi-même, tu veux que je vienne vérifier moi-même, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que tu dis non parce que tu veux que je vienne le voir moi-même. Ah! Hey! Madame, arrêtez! Arrêtez, madame! Madame, c'est arrivé! C'est quoi le problème? Madame, je dis que c'est arrivé! Je dis qu'aujourd'hui même le serpent s'est renversé! Que se passe-t-il? Ma fille va bien? Tout le monde va bien? Madame, tout le monde va bien, mais votre fille, je ne sais pas! Ça va!
ça, mais madame, j'ai vu de mes propres yeux. Sois cohérent, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Madame, ce que je veux vous dire, hein? Oh, Jésus, ce gars, cet enseignant de pacotille qui enseigne votre fille, c'est le diable en personne. Que s'est-il passé? Madame, laissez-moi vous dire ce que ce gars fait. Madame, je l'ai vu de mes propres yeux. Mettre sa main bas comme ça. Il a mis sa main où? Madame, j'ai vu avec mes propres yeux. Mes propres yeux même. Il a mis sa main en bas, wow, dedans. Dedans où? Je dis en bas, wow. Hey! Comment oses-tu? Comment oses-tu faire de ma fille l'objet d'une blague aussi sale? Madame, je ne savais pas que ça faisait partie des cours. Madame, je fais seulement ce que vous m'avez dit. Je regarde et je vous rends compte. J'ai vu et je vous rends compte. C'est ce que je fais. Je dis que je l'ai vu. Mettre sa main dedans. Wow. Tu continues à dire ces conneries. Hey! Allez, va m'ouvrir le portail. Je vois que ma familiarité avec toi engendre toutes ces bêtises. Comment oses-tu? Madame, je voulais seulement vous dire. Impossible. Je n'arrive pas à y croire. Moi non plus, mais je ne comprends pas pourquoi Marcus aurait le culot d'inventer une telle histoire. Il ne m'avait jamais dit une telle chose auparavant. Grande sœur, tu as oublié qui est Marcus? Il agit et parle sans réfléchir. Il est grand temps que tu vires cet idiot de portier. Je l'avertirai une dernière fois et j'espère qu'il n'abordera pas le sujet avec M. Gédéon. Parce que s'il entend cela, il sera en colère. Je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises de virer ce portier. Regarde le genre d'accusation infondée qu'il profère. Ah! Je vais lui parler. Et à ma fille également. J'espère que tu ne comptes pas accorder du crédit aux paroles de ce fou. Grande sœur, parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à régler. Marcus, il ne va jamais cesser de m'étonner. Madame, le portail est fermé. Et tu as l'audace de me dire que le portail est fermé sans aller l'ouvrir? Madame, ce n'est pas à cause de l'audace du portail, hein? Madame, c'est à cause du danger parce que tout le monde dans cette maison est un danger. Madame, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce dont on a parlé hier. De ce problème grave. De quel problème avons-nous parlé? Madame, prenez-le au sérieux. Cet homme, ce bandit, celui qui enseigne les bêtises et qui emploie le gros français. Madame, j'étais en train de vous dire hier ce que ce gars fait à votre petite fille. Il met les mains dedans. Aïe! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne t'ai-je pas interdit de faire de ma fille l'objet de tes sales blagues? Mais c'est quoi ton problème? Rien, madame. Je pense que j'en ai assez de toi. J'en ai vraiment marre. Écoute, à la fin du mois, tu vas partir de cette maison. Hey! Madame, je vous demande pardon. Madame, je ne fais que mon travail, celui que vous m'avez dit. Madame, je vous supplie pour l'amour de Dieu. Marcus, ouvre. Marcus, si je dois aller ouvrir ce portail moi-même, je te le jure, tu vas devoir partir de chez moi sur le champ. Marcus, et tu peux dire à Dieu ton problème. Hein? Madame, laissez-moi aller chercher. Ouvre le portail, c'est quoi ton problème? Je cherche les clés. C'est quoi ces bêtises? Grande sœur, je crois qu'on devrait vérifier vraiment ce que dit cet homme. Qu'est-ce que tu insinues? Que ces dires pourraient être vrais? J'essaye aussi d'être observatrice. Tu dis qu'il ne t'a jamais rien dit de la sorte avant. Si Marcus est venu te dire un truc de ce genre, et il est venu te le dire, je pense qu'on doit surveiller M. Gédéon de très près. Je ne dis pas que ce qu'il dit est vrai, car je prie que ce ne soit pas vrai, parce que même ce Marcus, je ne l'apprécie pas. C'est un fait qu'on doit juste reconsidérer. Allons-y, je suis en retard. Je vais t'apprendre quelque chose de nouveau. Une nouvelle chose aujourd'hui, d'accord? Hey! La main dans le sac!
Chris, Monsieur Diédéon, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, madame. Vous? Je suis désolé, madame. Diédéon! Qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? J'aime. C'est l'œuvre du diable. Hey! Tu dis quoi? L'œuvre du diable? Dors comme ça, tu ne ronronnes plus. Hey! Qui est le diable ici? C'est toi le diable! Madame, je vous avais dit que c'était le diable incarné. Voleur! Chérie, t'as-tu blessé? Il m'a forcé à faire des choses que je ne veux pas. Gédéon! Tu vas brûler! Tu vas brûler en enfer! Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que tu brûles ici sur Terre. Madame... Marcus! Hey, madame! Rends son visage méconnaissable avant que la peste arrive ici. Hey! Attends, madame, je peux... À genoux! Oui. Je dis à genoux! Je vais voir! Regarde-le! Attends ça! Pardon! Pardon! S'il te plaît! S'il te plaît! Je vais finir avec toi! Pardon! Hey! Pardon, s'il te plaît. Hey, tu auras ce que tu as venu chercher. S'il te plaît. Hey, pas ça. S'il te plaît. Je finis avec toi. Ma chérie. Peux-tu me pardonner? J'ai essayé de me parler. Je n'ai pas écouté. Ça va, maman, je te pardonne. Je rends grâce à Dieu que tu l'aies toi-même vu. Oh, mon bébé. Je suis vraiment désolée. Je ne t'abandonnerai jamais. Je te protégerai. Arrête ta bouche. Arrête, je t'en supplie. Je t'en supplie, arrête. C'est ça. Je suis vraiment désolée. Je serai une bonne mère pour toi. Je serai là pour t'écouter chaque fois que tu auras besoin de parler. Compris? Oh mon bébé. Je t'emmènerai à l'hôpital demain pour faire des examens. Venir avec toi, sale voleur. Pardonne-moi. Tu viens déranger les petites filles des gens. Tu auras ta dose ce soir. Enlève le pantalon. Enlève ça. Enlève-le! Mais écoute, je dis, enlève tes habits! Hein? Arrête! Enlève ça!